Eh bien, ces amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on est sur Lumina pour un nouvel épisode Skyblock, en l'occurrence le 4e. Et en votre absence, il s'est passé pas mal de choses. Bah écoutez, je vous propose de regarder un petit peu ce petit débrief ensemble dans un premier temps. Et ensuite, on va rapidement s'attaquer à tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que du travail aujourd'hui, il y en a pas mal. Donc, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, on a agrandi en grande quantité le farm à pastèque. Donc, on a fait 3 lignées de double. Donc voilà, ça fait quand même une petite colonne, et on a également rajouté donc 2 lignées de citrouilles, ce qui est plutôt pas mal. Et donc ici ensuite, encore une fois, donc la canne à sucre qui n'a pas bougé, on a un petit farm ici rapide de bois de sapin, et ici on a fait effectivement un peu d'acacia histoire de pouvoir compléter ensuite en décoration notre farm à pastèque et à citrouille. Donc ça, c'était dans un premier lieu. Dans un deuxième, les amis, effectivement, en votre absence, j'ai réussi à crafter cette magnifique pioche. Alors, les rageux qui diront que je me la suis give, je vous emmerde, parce que ce n'est pas vrai du tout. Donc, effectivement, j'ai reçu une pioche en diamant FI3, touché de soi et solidité 3, que j'ai réussi à me crafter au spawn, donc du coup, à l'aide des tables d'enchantement qui sont mises à disposition. Et on a participé en antenne à 2 ouvertures de zone mine, enfin 2 resets plutôt. Et en l'occurrence, on a un peu réussi à gagner tout ça. Donc voilà, on n'a pas forcément une masse de minerais non plus, mais c'est quand même un bon début. Ensuite, nouvelle information que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu pétillant aujourd'hui, je trouve, me sens un peu frais, j'ai quelques particules sur moi. C'est tout simplement parce que la boutique a enfin ouvert, donc la boutique de Lumina. En l'occurrence, le site web a enfin ouvert. Alors il faut savoir que c'est un site web en version bêta, puisqu'actuellement sur la boutique, pour ceux qui le demandent ou souhaiteraient savoir ce qu'il y a à disposition, il y a uniquement les grades VIP, VIP+, et MVP, donc Mega VIP. Par la suite, il y aura beaucoup plus de cosmétiques, d'objets en supplément, etc. qui apparaîtront. C'est juste qu'effectivement, par souci de taille par île, alors juste pour vous informer un petit peu, le joueur alpha ainsi que le grade VIP ont la possibilité d'être à 3 sur une île, le VIP plus à 4 et le MVP à 5. Et puisqu'il y avait des îles qui voulaient jouer à 4 ou à 5, on a eu un petit peu la pression effectivement pour donc du coup sortir les grades. Donc c'est pour ça que tout est sorti assez rapidement, mais en version un petit peu bêta. Mais vous inquiétez pas, effectivement, donc par la suite il y aura beaucoup plus de choses mises à disposition. Et donc pour ceux qui souhaiteraient savoir ce que les grades apportent, bah, vous avez une petite plaquette qui est mise à disposition au spawn juste ici. Donc vous avez les différents avantages qui sont présentés, sachant que c'est un petit peu obsolète ce qui a été écrit ici, puisque c'était basé sur un tableur Excel qui date d'il y a quelques temps. Donc ça sera un peu mis à jour encore une fois, et sachant qu'il y aura des évolutions qui viendront par la suite. Voilà, voilà. Et donc encore une fois, donc le lien du site web est dans la description. Donc ensuite, retournons un petit peu à nos moutons. Ça, c'était un petit peu l'aparté pour vous parler effectivement du côté administration, on va dire, du serveur. Concernant effectivement les challenges, il y en a eu quelques-uns qui ont été réalisés en votre absence, en l'occurrence les 21 pains. Donc le lèche-vitrine, on l'avait fini ensemble. Le cactus, on l'a aussi fini. L'écrivain en herbe, donc les 21 pages, ça a été aussi fait. Dur labeur, les 64 cobbles, ça a été fait. Les 64 graines de melon, de pastèque et de... enfin, ouais, bah du coup j'ai été embrouillé, mais effectivement, de melon, de citrouille et de blé ont été corrigés. Ensuite, donc du coup, il faut finalement qu'on finisse les 5 pommes. Donc je les ai avec moi enfin. Donc du coup, on va pouvoir effectivement compléter le challenge. On a également dépassé le niveau 10. Oui, monsieur, s'il vous plaît, ça s'applaudit. Moi, je vous le dis, ça s'applaudit. Mais enfin, donc voilà, on a réussi enfin donc à finir ce challenge là aussi. Et donc maintenant, on doit finir donc officiellement, bah maintenant, le challenge de soupe, qui n'est pas forcément très facile à réaliser. Mais c'est pas grave, avec de la motivation et de la détermination, on va y arriver, et c'est bien ce que je compte faire aujourd'hui avec vous. Donc on va se placer un petit peu juste ici, et on va faire une toute petite zone voilà, hein, bah, tout simplement une petite zone de récolte pour champignons. Donc on va faire que ça à peu près de cette taille là, et là normalement on est censé avoir, pas encore, donc alors attendez, hop, slash home plutôt, on va y arriver, voilà. Alors donc du coup, slash home, blop, 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 blop. Où sont nos champignons? Ils sont là, voilà, on va faire ce qu'on peut, on va essayer d'en poser un maximum. Alors, rouge et blanc, voilà, histoire qu'il y ait un petit peu de couleurs différentes, enfin quelque chose comme ça. Ok. Alors les particules sont liées au grade, hein, si jamais, donc du coup on a qui se demandait. Au moins voilà, vous êtes informés, pas qu'il y en a qui tapent des ponts. Mais d'ailleurs, je crois que je vais les enlever, histoire que ce soit un peu plus agréable de ne pas en avoir. Donc alors, non, voilà, comme ceci, comme ça on n'a pas de... de particules, on est mieux. Voilà, comme ça on est bien. Donc effectivement,
les amis, ce que j'aimerais faire le plus rapidement possible, c'est d'augmenter en niveau et donc du coup arriver au niveau 200. Comme ça, on va pouvoir aller niquer des grosses mamans au niveau du PVP, mais également commencer et tester le donjon niveau 1. Pour ce faire, il va falloir qu'on ait pas mal de blocs sur notre île. Et donc, comment faire? Et ben, je vous propose dans un premier temps, ça serait de récupérer effectivement peut-être des minerais de ce type-là. Mais bon, on a besoin évidemment de ce genre de minerais pour réussir à avoir des sous. Et donc, du coup, tac, avoir des stuff qui sont vraiment grave balèzes. Bon, alors, l'occurrence, on les a pas encore tout de suite. Ce que je propose, c'est que, hop, on se débarrasse de tout ça, on le pose là. Et que on réfléchisse à une première machine que l'on pourrait réaliser ensemble. La machine qui me parlerait bien, ça serait effectivement la fameuse machine à cactus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès maintenant à aller réaliser cette fameuse machine. Et quoi de mieux, effectivement, que d'aller vendre un petit peu notre bon vieux stuff des familles qui est juste ici. Voilà, comme ceci. Alors là, 1, 2, 3, 4... 5, voilà, comme ceci. Ça aussi, on peut le vendre, donc on va aller le vendre. Voilà, comme ceci. Ok, très bien. Ensuite, ça aussi, on peut le vendre. Et ça aussi, on peut le vendre. Alors, voilà, pourquoi se priver? On va juste récupérer deux citrouilles. Voilà, quelque chose comme ceci. Et on va aller faire notre petit shopping. Donc, je vous propose, donc, dans un premier lieu, qu'on aille vendre un petit peu tout ce dont on a besoin. Enfin, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on peut vendre plutôt. Alors, voilà, par 64. Donc là, on va vendre 2 stacks de citrouilles, on fait 8 pépites. Ensuite, là, on a peut-être quelques stacks, effectivement, de pastèques qui doivent partir. Voilà, encore un deuxième. Ensuite, on a la canne à sucre. On peut en vendre 3, je crois. Encore un. Voilà, on est pas mal. Et je crois que c'est bon, on a à peu près vendu tout ce qu'on pouvait vendre. Donc on se retrouve avec effectivement un stack et demi de pépites. On commence à s'enrichir petit à petit, hein. Mais bon, voilà, mieux vaut doucement que mais sûrement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter donc beaucoup de glace. Alors glace compacte ou... Alors là c'est 16 et là c'est 8. Je sais pas trop quoi prendre entre les deux. La glace compacte pourrait être sympa, hein, niveau esthétisme et tout. C'est peut-être mieux. Eh ben écoutez, on va partir sur la glace compactée, mais elle coûte deux fois plus cher. J'aimerais faire une vérif. Vous allez me dire que c'est de la triche. Moi, j'appelle pas ça tricher, j'appelle ça juste vérifier. Je pense que là, les gens qui sont juste voisins chez moi, je me permets d'aller voyager vers chez eux, ont utilisé de la glace compactée. Et effectivement, c'est de la glace compactée qui a été utilisée. Donc allez, on va effectivement acheter de la glace compactée par sécurité. Pourquoi et pourquoi pas? Ben écoutez, je ne sais pas, je ne saurais plus vous dire. Effectivement, il y a eu un petit temps d'absence effectivement sur Minecraft. Donc là, 1, 2, 3, 4, enfin un cinquième. Voilà. Alors, je crois qu'on est à peu près bon. On a quand même 5 stacks de glace compactée. Et ben voilà, on va aller directement sur notre IS et on va commencer à faire les petites foundations. Alors on va pas se mettre comme habituellement parlant très très bas. Écoutez, on va faire quelque chose à peu près genre... vous voyez, genre on va pas s'embêter, on va se mettre ici pour le sol approximativement parlant. Hein. Donc du coup, on va même pouvoir se mettre quelque part ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des dalles en bois parce que ça à la limite c'est pas une grande perte vu tout ce qu'on a. Donc on va se mettre quelque part ici. On va faire un petit décalage, on va se mettre à hauteur à peu près de notre île pour les limites. Voilà, à peu près, normalement encore un peu. Voilà, je pense que là on devient un peu pas mal. Voilà, vous quittez l'île de Mushroom, vous entrez sur l'île de Mush. Vous entrez, vous quittez, alors, vous entrez, vous quittez. Donc là je pense que c'est ici la limite. Voilà, vous entrez et vous quittez. Ok, donc on est bon. Alors ici c'est la fameuse limite donc du coup de notre sol. Hop, bon c'est pas grave si c'est perdu. On va se poser là. Alors donc du coup, ça sera la limite pure et dure de notre machine. Et ben là ça va être de l'amusement solide puisque effectivement là il va falloir poser ben, le contour de notre surface. Comme ça on saura à peu près ce qu'il faut mettre. Alors vous quittez l'île de Mush, vous entrez, vous quittez, vous entrez, vous quittez. Donc là on est bon. Voilà, et là on entre. Ok, bon bah on est bon. Alors là maintenant il suffit encore donc faire l'intégralité du contour. Bah comme ça vous voyez en fait justement faire le contour ça nous permettra un peu de limiter la zone et de savoir combien il nous faut de blocs, hein, de glace compactée. Hein. Voilà, bon logiquement on est sur des tailles de 120x120. Voilà, vu que j'ai le plus grand grade, effectivement on a une petite extension d'île. Alors attendez, vous quittez l'île de Mush, vous entrez sur l'île, vous entrez et vous quittez. Donc alors celui-ci on le casse. Dommage, on a perdu un bloc de glace compactée, c'est pas grave. Alors là, vous entrez, donc on est bon. Et voilà, bah, du coup, on n'a plus qu'à effectivement
trouver l'autre côté en limite. J'espère qu'on aura assez de blocs. Ça me paraît un peu ricrac puisqu'il nous reste que 120 blocs. Voilà. Et cette fois ça au plus vite. Je suis en train de spammer ma souris les gens. J'ai bientôt une crampe. J'ai bientôt une crampe. Voilà. Ok, donc on arrive quelque chose comme ça. Et donc là vous entrez. Vous entrez, vous entrez, vous entrez, vous entrez. Et là on quitte. Vous entrez. On quitte. Ok, donc c'est bon, on est bien. Et donc là, il ne reste plus qu'à relier effectivement les embouts. Donc du coup, vous voyez qu'on est un peu en déche de glace compactée. Mais bon, c'est pas grave, ça rapporte de l'XP pour notre IS. J'espère qu'on a pris quelques levels quand même. Slash IS level. Et on arrive au niveau 39. Oui, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ça fait un petit début. Donc par contre, effectivement, là, vous voyez qu'il y a quand même une certaine superficie à agrémenter. Ça risque de pas être facile. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je voulais que vous disiez. Chaque chose en son temps. Alors, je vous propose... Qu'on récolte un petit peu ce qu'on peut au niveau des différents arbres ici, hein, parce que voilà, comme dit, hein, voilà, une bûche dans l'âme, ça on connaît toujours, ça rapporte, ça on va essayer de les vendre un petit peu au spawn pour essayer de se faire de l'argent, et il faudrait aussi qu'on essaye d'automatiser un petit peu les choses. Alors là on est 143 joueurs, on commence à ressentir un petit peu les quelques lags, effectivement on a remarqué que... Au début, on voyait 140 gens, on se disait, oh, ça tombe bien, c'est pas mal, c'est bien. Et en fait, il y a les différentes machines à Alson qui ont commencé à apparaître sur le serveur, et là, on a constaté que ça commence un petit peu plus à laguer. Bah voilà, c'est les choses qui arrivent. Donc vous inquiétez pas, si jamais il y a des joueurs actuels qui se plaignent des lags, il y a une machine qu'on va bientôt commander, qui sera 3 à 4 fois plus puissante que celle actuelle. Donc on pourra accueillir 2 fois plus de joueurs... aisément sans lag, donc voilà, j'espère qu'effectivement vous serez patient le temps qu'effectivement il y ait la petite mise à jour, parce que voilà, les infrastructures elles sont pas gratuites, malheureusement on a un certain budget aussi, donc voilà, c'est pour ça que chaque chose en son temps. Mais bon, donc voilà, là on arrive à 140 joueurs, niveau deal 39. Bon, alors là on va éviter de faire IS level pour se faire mal aux yeux, parce que quand on coupe des bûches en général on perd pas mal de niveaux. Donc là on arrive effectivement à avoir ces bûches là, donc l'idée ça serait mettre à tête. Donc l'idée, ça serait effectivement qu'on puisse aller les vendre au spawn, voilà. Comme ça, effectivement, on va pouvoir réussir à finir le petit contour de glace. Mais bon, ça pareil, ça se vend que à 4 pépites, hein, donc voilà, on est un peu pauvre quand même sur les bords. On a 18 pépites, donc là, on peut éventuellement racheter encore un petit stack de glace compactée. Voilà, allez, on y retourne. Normalement, je pense qu'on va pouvoir finir notre contour. J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un contour in. Voilà, allez, on finit ça. Tac, tac, tac. Alors, il faut savoir qu'on a pris un peu de retard par rapport au e-stop, hein, parce que si on fait une petite présentation, il y en a qui sont niveau 4300, on est 138. Je vous laisse un peu déduire qu'on est un peu à la bourre, mais voilà, vous inquiétez pas, le recrutement de mon île va bientôt arriver. Et là, c'est là que les choses sérieuses vont commencer, tout simplement. Voilà, alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va juste récupérer... Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Alors, je pensais pas que ma pioche était aussi efficace... Et bah écoutez, c'est parfait. Allez doudou, on récupère nos différents glaces compactées. Voilà. On va essayer de terminer, mais bon, je pense pas que ça suffise, malheureusement. Et ouais, il nous en manque encore un petit peu. Bon, c'est pas grave, au moins c'est une petite idée. Vous voyez que ça fait quand même une sacrée superficie, c'est vraiment pas mal grand. Bah écoutez, j'espère juste que là, maintenant, pareil de ce côté-là, au niveau des champignons, ça va bien pousser. Hein. Sinon ça risque d'être embêtant. Parce que ouais, on peut même pas acheter de champignons, je crois. Là on a 7 rouges, mais bon, c'est. Ça paraît grand chose quoi. Et là on a que 4 soupes pour l'instant. On est un petit peu embêté. Bon, bah voilà. Slash C. Effectivement, cuisiner 18 soupes de champignons. Ça va faire un sacré paquet. Hein. Bon bah du coup, même si là tu fais quelque chose comme ça. Ah bah, en fait les enfants, en fait tout va bien. En fait bébé, tout va très bien. Alors vous savez quoi, j'avais un doute effectivement sur l'idée de se dire est-ce que au plus grand des hasards ça va fonctionner. Est-ce que ça là, ça va fonctionner. Cette idée de faire des champignons très très grands, est-ce que ça va fonctionner. J'avais un doute, bah écoutez, visiblement oui ça marche même très très bien. Donc par contre effectivement ce serait bien qu'on puisse récupérer. Bon bah du coup tant pis. On a que 6 champignons bruns, et bah écoutez, attendez, on va pas se laisser vaincre. On va essayer d'avoir encore les derniers là qui restent. Je pense que là, on peut en avoir quelques-uns. Voilà, 8. Bon bah du coup, il y a tout qui est tombé en bas au sol, c'est pas grave. Ici, monsieur, j'aimerais que vous me donniez vos champignons rouges. Merci bien, ça fait plaisir.
Voilà, comme ceci. Alors du coup, j'espère qu'il y a personne en ayant vu ma vidéo qui disait « Mais attends, le con, il va pouvoir faire grandir ses champignons, des bébés !» Alors par contre, celui-ci, je crois qu'il s'est laissé désirer. Voilà, il y avait un petit bloc qui dérangeait, je peux comprendre. On est souvent intimidé par les petits blocs qui peuvent traîner un peu en périphérie. Mais bon. Voilà, alors là maintenant, donc, du coup, on a 18 champignons bruns. Voilà. Je sais même pas si on a vraiment gagné quelque chose encore. 10 champignons bruns et 12 champignons rouges. Et bien les amis, on va pouvoir terminer nos petites soupes. C'est fantastique. Donc, alors, il nous faut quelque chose comme les soupes qui sont ici. Voilà. Alors ensuite, on a besoin de ça, de toi et de toi. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Bon ben, ouais. On va laisser poser ça là. Ensuite, là-dedans, donc, 1, 2. Voilà, on va poser tout ça là. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc il nous en reste encore 3 à faire. Voilà. Donc là, on a qu'un seul truc rouge. Je pense qu'on est censé avoir encore des champignons rouges qui traînent là-dedans. Ok, on est bon. Et on termine donc du coup nos deux soupes avec ça et ça comme ceci. Voilà. Et bah finalement le challenge était plus simple que prévu, hein. Écoutez, hein, moi je m'y attendais pas trop, mais bon voilà. Très très bonne nouvelle, très bonne surprise. Donc on arrive à quelque chose comme ceci, voilà, tac tac. Donc ouais, on va juste déposer quelques items là, comme ça on peut récupérer l'intégralité de nos soupes. Voilà, slash C, et donc du coup... Eh ben voilà, ça c'est bon. Donc maintenant on arrive enfin à débloquer les nouveaux challenges. Donc du coup les gens, maintenant on a un nouveau petit défi à réaliser. Et je crois qu'une machine à farm va s'imposer. Je suis pas sûr les amis, mais je crois qu'une machine à farm va s'imposer. Donc après il faudra aussi pêcher du poisson, récolter un stack de 64 blés, de sucre, de melon, de carottes, de patates et de citrouilles. Alors les carottes, patates aussi, il va falloir les faire. Couper sèche-bûche, de chêne, de bouleau, de sapin et d'acajou. Préparer son atu cookie et un seau de lait. 64 stone. Une petite maison et atteindre le niveau 75 avec notre île. Bon, bah je vois qu'il y a du pain sur la planche pour les prochains challenges. Et bien écoutez, je pense que tout cet aménagement, on le fera dans un épisode prochain, futur, mais très proche et très certainement. Alors là, on arrive à... Attendez voir, 2 secondes. On va juste... Tac. Attendez, normalement, je pensais avoir des pousses de sapin qui traînent. Ah voilà, elles sont là. Ok, on est bon. Voilà, comme ceci, on va poser ça là. Ensuite, donc du coup, ça, on va le reposer avec ses compères. Voilà, on a quelque chose comme ça. Slash feed. Et on est niveau 31. Et je pense que il y a sûrement un petit repairol qui va se perdre. Voilà. Je pense qu'on va prendre, effectivement, on va se crafter une petite hache et aller essayer de voir si on peut pas essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Tac. Voilà. Au spawn. Avec un item de cette catégorie. Voilà. Pack, 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 pack. Slash spawn. Alors, les amis, voyons voir un petit peu ce qu'on a la chance de recevoir avec notre ami l'enchantement. Donc, si je mets une hache juste ici, avec 3 pics, on a une FI 4. Et donc, du coup, on a une FI 4. Ok, bon bah juste une FI 4 pour 3 petits levels, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Si on va tâter un petit peu au niveau de l'arbre, voir un petit peu ce que ça représente une FI 4. Voyons voir un petit peu ce que ça vaut. Ouais, ça va, ça fait le travail quand même. Ça fait quand même le travail. Bah après, vivement qu'il y ait le beacon, hein, ça fera aussi un peu plus le taf. Mais bon, c'est pas trop mal. Et bah écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Toutes les informations nécessaires, encore une fois, sont dans la description. Que ce soit le site web, le Twitter, le Facebook de Lumina également, qui a ouvert il y a pas si longtemps. Voilà, il y a peut-être 2-3 jours maintenant. Donc vous pouvez aller effectivement le consulter et nous soutenir sur la page, hein. Et voilà, il y a plein d'informations exclusives qui sont publiées régulièrement, que ce soit sur le Twitter de Lumina ou le Facebook. Et donc sur ce les amis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, très bonnes vidéos, voilà, tout simplement. Bon, sur ce les amis, je vous souhaite de vous porter bien et puis on se dit à la prochaine. Allez, c'était Mush, on se dit ciao ciao.